La première règle de la survie, c'est de frapper entre les jambes. Mais la tête, c'est pas plus rapide? T'es vraiment trop gentille. Chut, c'est bon, on est arrivé. C'est quoi cette foule sur le pont? Les gens de la ville. On les évacue. Laisse-moi deviner. La morsure est ici. Bien vu. Et si la morsure est là, alors il y a... l'Inquisition. Voilà, t'as tout compris. Oh non. Tu le connaissais? Un voleur. J'ai travaillé avec lui. Il était bon. Alors c'est ça le châtiment des voleurs? La mort? Ouais, et je veux pas retrouver Arthur avec ce genre de collier. Viens, allons-y. Mélie, tu peux t'en... Je t'ouvre ça, et je file m'occuper d'Arthur. D'accord, mais au fait, c'est où l'université? C'est le gros bâtiment à l'autre bout de la ville. Tu peux pas le rater. Est-ce que... tu penses qu'on se reverra? J'espère bien. Tu m'es redevable. Merde. Ça veut dire que t'as pas le droit de mourir. Je ferai de mon mieux. Voilà, allez. Passe. Bonne chance. Toi aussi. Les gens de la ville. Ils savent qu'ils vont mourir s'ils restent ici, mais tu crois qu'ils s'en iraient d'eux-mêmes? Allez, viens. On doit faire partir les derniers. T'inquiète pas, va, on a presque fini. La ville est à nous, on va pouvoir accélérer les opérations. Ces ordures, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Doit être l'université. Cette lumière, j'aime pas ça. Bon, c'est vrai que c'est pas tout près, mais tu vas y arriver. Allez, Amicia. Toi, là-dedans! T'es un des derniers, alors sors de là, ou on vient te chercher! Foutu bourgeois!
allez me foutre la paix. Dégagez. Putain. Va essayer de foutre des trucs avec ces rats dans les pattes. Tu ne pourrais être plus distrait. Rentrez, mais... Les affaires de papa. T'as vu ce qu'ils font aux gens? On doit partir, si l'Inquisition nous prend. Merde, des rats. On reviendra plus tard. Est-ce que c'est partout comme ça? Où je suis. Mais au moins, je suis encore en vie. Allez, rentre là-dedans. Et reste-y sagement. Non, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est mon mari. C'était ton mari. Il est condamné. Fiche le camp. Pas toute seule. Je peux pas partir sans lui. La ferme. La loi martiale, tu connais? Quelle horreur. Il a raison, Anna. Je suis contagieux. Reste pas là. Écoute-le. Tire-toi. Maintenant. Ah, vous m'épuisez avec vos conneries. J'ai pas signé. Je dois occuper ces rats. Pardon. C'est ça le bruit. Et ces putains de rats qui sont déjà là pour le... Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Bon, doit bien y avoir un truc à piquer ici. Pour que l'Inquisition vous sorte de là. Je
Qu'importe. On va tous aller en enfer. Elle est fermée. Faudra là-dessous. Je passerai pas sans les distraire. Peut-être que je pourrais décrocher un de ces pendus. Allez, Amicia, accroche-toi. Pense à Hugo. C'est pour lui que tu fais tout ça. Salopard. C'est encore vous qui foutez le bordel, c'est ça? Hé, hey, vous fatiguez pas, c'est terminé.
pourquoi je... Oh, c'est poisseux. Fidèle à ma foi. Je dois être fidèle à ma foi. Souviens-toi des écritures. Pas Ignem. Jamais cette odeur. Y a personne ici. L'université. Tu vois? Allez, Amicia, continue comme ça. Cimetière. Il est sur le chemin. J'ai vraiment pas envie de passer par là. Oh, c'est fermé. Si seulement Mélie était là. Allez, il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Ça, ça vient de l'Inquisition. Ça doit pivoter. Efficace. Le grand inquisiteur ne fait pas les choses à moitié. Non. Ah, t'as bien quelque chose. Un truc précieux. On a tous un trésor. Allez, Amicia. Hey. Ça t'apprendra. Une fenêtre. Parfait. Ne restons pas là. Maître, voici les pissenlits. Ah, voyons ça. Parfait. J'ai une question. On sait que ça vient des rats, mais à quoi ça sert ?
Nous appelons cela Odorus. Oh. Oh. C'est un des nombreux effets de l'épisanguis lorsqu'on le mélange avec du soufre. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais pourquoi on ne pourrait pas équiper nos troupes avec ça? On pourrait... C'est bien trop précieux. Chaque cristal d'épisanguis doit être consacré au projet. Par ailleurs, avec ces cristaux, nous avons déjà rencontré plusieurs, comment pourrais-je dire, des accidents regrettables. Apportez ça au bastion. Ce sera tout pour aujourd'hui. Des accidents regrettables. Imagine, tu t'en renverses sur les pieds. Tu finis ta patrouille cul de jatte. De l'épisanguis? Qu'est-ce que c'est? Je dois voir ça. Ils sont partis. Allez, c'est juste un cimetière. Oh, encore des morts. Ok, essaye. Lucas, ça c'est pour toi. Ça marche! Ça va me sauver la vie. Il faut que j'en trouve plus. Souviens-toi, l'effet ne dure pas longtemps. Là-bas, on dirait la sortie. Allez, j'y suis presque. Le sol s'est affaissé. Je dois trouver quelque chose pour me hisser. J'arrête. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus.
L'odoris ne les retiendra pas assez longtemps. Je dois les coincer une fois pour toutes. Tirer Sera où tu veux. Tu dois les coincer. Pouvoir les attirer dans ce renfoncement et les bloquer avec la lanterne. Allez, dis-moi que tu roules encore. Très discret. Bien, plus qu'à la déplacer. Tu vois, tu t'en sors. Tu t'en sors bien, même. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? J'y suis presque. Lucas, il a intérêt à exister, ton livre. Les rats contre les malades. Sale bestiole. Qu'est-ce que vous avez de si important à dire pour gueuler comme ça tout le temps? L'odoriste. Je pourrais essayer. Une bonne raison de crier, vous verrez. On a des artistes du couteau. Ça a marché. Pourquoi? Parce que c'est trop tard pour vous. On appelle ça la clémence. Parce que c'est trop tard pour vous. On appelle ça la clémence.
Mais rassure-toi, tous les autres seront bientôt sauvés. Hé hey, arrêtez de les balancer dans l'eau. Ils finissent tous de l'autre côté. On peut plus patrouiller là-bas, tellement... C'était quoi ce vacarme? Vous avez de la chance de sentir encore quelque chose. Hé, hey, vous! Bougez pas, ça sera moins douloureux. Oh, ils sont encore là. Hé là! Je sens que la suite va pas vous plaire. Mais malade à rester ici. On se passera le mal les uns aux autres, jusqu'au grand inquisiteur. Et il restera plus personne. Mais ta gueule! T'as pas fini de chialer? Je veux plus t'entendre, pas un mot! Je brûle dedans. Dites ce que je dois faire. Je sais pas. Boire. Oh non, ne buvez pas ça. C'est un cauchemar. Allez, courage. L'université ne doit plus être très loin. Non. À vous.
entendu quelque chose par là. Oui, enfin. C'était le grand inquisiteur. Rien. Nous avons récolté. Par ici, grand inquisiteur. Si vous voulez bien me faire l'honneur. La vache. Mais enfin, qu'est-ce qui se trame ici ? Ces alchimistes. Du calme. Ils sont un peu arrogants, c'est sûr. Mais eux, au moins, ils savent lire. Ça leur donne pas le droit d'être cons. En tout cas, il y en a un qui disait que Vitalis va pas bien. On savait que ça allait arriver. Nous devrons prier pour lui. Je savais que le grand inquisiteur était souffrant, mais là... Et trop de gens lui ont